elle va se présenter. Ensuite, elle va nous présenter son projet, sa vision et ses objectifs de l'élection Miss Richie Cameroun. Bonjour, je me présente Michelle Soujé, candidate numéro 12 à l'élection Miss Richie Cameroun. Tout d'abord, quel est votre projet? Vous avez présenté un projet à la demi-finale de l'élection Miss Richie Cameroun. Quel est votre projet? Quelles sont vos visions et quels sont vos objectifs pour promouvoir la femme en fauteuil roulant? Mon projet s'intitule My Books. C'est un projet que j'ai initié déjà cette rentrée scolaire. Il consiste à offrir des fournitures, des manuels scolaires à des enfants handicapés ou des parents handicapés. Ce projet, c'est parce que je considère que l'éducation est une clé essentielle à la réussite. Il y a la problématique de l'emploi des personnes handicapées, mais je pense que tant qu'on sera moins nombreux à avoir des diplômes, des connaissances, des compétences pour nous vendre sur le marché, il sera difficile de résoudre ce problème de l'emploi. Je viens d'initier le projet MyBook. J'offre des manuels et des fournitures scolaires à des enfants handicapés ou nés de parents handicapés. La première édition a eu lieu cette rentrée en septembre 2019. Chaque rentrée, on fera une édition de lycée en lycée. On couvrira le maximum de lycées et voir tous les lycées du Cameroun. Donc, si je comprends bien, vous voulez participer à la scolarisation de l'enfant handicapé au Cameroun. D'accord. Et comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous basez sur la collecte des fonds? Est-ce que vous financez vous-même ou bien comment est-ce que ça se passe exactement? Cette première édition, une partie du financement est venue des membres de mon association, Association Handicapée et Fière. Nous avons financé une partie du projet. Nous avons lancé une collecte de fonds. De nombreuses personnes ont contribué au projet. Il y a une société qui nous a accompagnés dans le projet, la société ITEL Cameroun. Donc, d'année en année, on fonctionnera pareil. Donc, si je comprends bien, c'est chaque rentrée. Et comment est-ce que vous procédez? Vous partez dans chaque ville, vous ciblez une école, vous partez dans l'école, vous ciblez les enfants handicapés. Ou bien, quand vous partez dans une ville, vous partez dans un centre social, vous prenez la liste et vous entrez en contact avec ces enfants handicapés-là pour les aider. La première édition s'est rapprochée du proviseur du lycée de Fonakoko. En fait, on s'est rapproché de plusieurs établissements, mais c'est le proviseur du lycée de Fonakoko qui nous a répondu rapidement. Et il nous a aidés à nous rapprocher du proviseur du lycée classique de Tchang, du lycée bilingue de Tchang et du lycée de Zengne. Dans cette année, on a couvert 4 lycées dans la mémoire. Pour la prochaine rentrée, ce qu'on compte faire, c'est se rapprocher des délégations départementales des affaires sociales pour recenser les cas sociaux, je vais dire les plus graves. Quand ils vont nous fournir les listes, en fonction de ça, on saura dans quelle ville se rendre pour la prochaine édition. Merci beaucoup pour cet échange que vous nous avez accordé. Nous avons vraiment beaucoup aimé. Vous savez, Miss Richie s'accorde à tout ce qui est en rapport avec la promotion de la femme en fauteuil roulant. Merci à vous. Nous vous remercions d'avoir écouté attentivement à tous ces projets. Restez scotchés à notre chaîne pour avoir la suite des événements. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci à vous.